Eh bien, salut à tous les amis, ici Zony Coco, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide, donc pour trouver les 10 objets volés de Solomon Richard. Donc, si vous avez fait la campagne, vous le connaissez sûrement, c'est ce producteur de cinéma avec qui on a certaines missions avec Michael. Et donc, vous aurez S doré sur la map, vous devez vous rendre dans son bureau pour recevoir un message. Donc, je vais vous montrer son bureau. Vous verrez que son bureau a été saccagé et donc plusieurs objets ont été volés. Il y aura 10 objets à retrouver partout dans la map et donc ce petit guide va vous y aider. Vous voyez ici donc notre cross, hop, et donc vous recevez à l'instant un message de Solomon. Vous voyez toutes mes pièces de collection ont disparu. Voilà. Bon, et donc là il nous demande de retrouver ses affaires et de les ramener à son bureau. Vous verrez que je sais me montrer généreux envers mes amis. Donc on découvrira plus tard dans la vidéo, qu'est-ce qu'on y gagne à ramener tous ces objets. Donc le premier objet n'est pas si loin que ça en fait. Vous sortez du bureau de Solomon. Voilà. Vous sortez, vous descendez les escaliers et direct sur votre gauche, vous avez le premier ici. Un genre de film. Donc voilà. Et donc quand vous récupérez l'objet, vous n'avez qu'à vous rendre au bureau. Et voilà, donc le premier objet vous rapporte. Donc on peut voir là qu'on rapporte 10 000 dollars à chaque objet, sûrement. Donc ça va déjà faire 100 000 dollars de gagner. Sûrement, hein. Je suis pas vraiment sûr parce que je le fais là, je découvre en même temps que vous. Et donc vous reconnaissez sûrement l'endroit. Nous nous trouvons au Diamond Casino et vous aurez sûrement compris que le second objet s'y trouve exactement. Donc nous allons découvrir après avoir récupéré le second objet. Allez, si nous devons vraiment à chaque fois récupérer l'objet et retourner au bureau de production, ou alors si nous pouvons tout récupérer d'un coup et puis après seulement aller au bureau de production. Je sais vraiment pas dans quel ordre on doit faire ça. Voilà, le second objet se trouve dans le fond du casino, il suffit de vous diriger par là, et il se trouve dans les toilettes de droite. Donc ici, là, vous passez par là, voilà. Dans les toilettes, ici, vous avez quelqu'un qui est assis juste à côté. Voilà, et donc il se trouve quelque part dans les toilettes, juste ici. Et donc c'est une perruque. Rapporter l'accessoire de film à Solomon Richards. Donc on va voir si on peut récupérer direct le troisième objet sans devoir passer au bureau et ramener tous les objets d'un seul coup, ou si on est obligé à chaque fois d'y retourner. Je vais vous dire ça tout de suite. Et nous voici pour le troisième objet devant le Vanilla Unicorn. Donc vous l'aurez compris, il se trouve à l'intérieur, très précisément dans le bureau du directeur. Donc pour y accéder, vous voyez que ici il faut passer par le lounge, donc le premium lounge. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas y aller sans être accompagné d'une danseuse. Donc pour ça, tout simple, rien de plus simple, vous vous dirigez vers une danseuse. Voilà, ici. Vous lui demandez une danse privée. Voilà, vous la suivez après. Voilà, vous montez, vous passez les rideaux, mais vous n'allez pas à la salle privée à gauche, vous allez tout droit, donc ici, dans l'aire de changement, et puis après, vous tournez à droite. Donc pour ceux qui ont fait aussi le mode histoire, vous connaissez le bureau, ouais, c'est là où Trevor s'installe à la fin du jeu. Et donc l'objet se trouve ici, dans le bureau. Voilà. Et donc nous voyons que nous pouvons récupérer tous les objets sans devoir passer à chaque fois au bureau de Solomon. Donc nous pouvons d'abord tous aller les récupérer et les amener à la fin. Voilà, maintenant on se retrouve pour le quatrième objet. Donc voilà, le quatrième objet se trouve à Harmonie. Vous voyez que vous avez le club de motards ici de Harmonie, vous avez la petite usine, et ici vous avez une maison. Voilà. Donc c'est dans cette maison qu'il y a l'objet. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc petite particularité, quand vous vous approchez d'un objet, vous avez votre manette qui vibre. Donc il y a moyen aussi de les trouver sans guide, mais c'est un peu plus compliqué. Et on peut voir donc que l'objet ici, c'est une tête. Ouais, une tête, ouais.
Et donc voilà, on passe à l'objet suivant. Donc voici la localisation du quatrième objet, car je ne l'ai pas montré pour les autres, car ce n'était pas vraiment très utile. Le premier se trouvait devant le bureau de Solomon Richard, indiqué par S, donc ça vous le connaissez. Le deuxième dans le Diamond Casino, que vous connaissez l'emplacement. Et le troisième aussi, le Vanilla Unicorn, tout le monde connaît l'emplacement. Donc maintenant, voici l'emplacement du quatrième, vu que ça, ce n'est pas un lieu connu. Et donc, pour l'objet suivant, ça se trouve exactement à l'est de Sandy Shore. Donc vous voyez, vous avez Sandy Shore ici, et on se trouve juste ici. Vous avez le corps de hippie, bien connu de tout le monde, avec tous les graffitis et tout ça. Voilà. Et donc, il vous suffira juste de monter tout en haut pour trouver cette tête d'alien, voilà, qui se trouve juste ici. Vous la ramassez. Et son emplacement exact, donc sur la map, se trouve juste ici. Voilà. Donc, on se retrouve à l'objet. Et donc, pour l'objet suivant, nous devons nous diriger vers Fort Zancudo. Donc, si vous possédez un des hangars comme moi, ici sur cette base militaire, il n'y aura aucun problème pour vous de le récupérer. Par contre, si vous n'en avez pas, soyez prêts, prévoyez quelques armures et tout ça, car les policiers et les militaires ne vont pas vous laisser de sitôt y rentrer. Donc il faut vous rendre à cette tour de contrôle. Donc vous voyez sur la map, elle se trouve exactement ici, mais elle est très visible de loin. Vous rentrez à travers ces doubles portes et vous voyez le premier bureau ici. Vous avez l'objet, donc c'est le clap de début quand on fait et action. Et voilà, donc l'objet est récupéré. On passe au suivant. Et donc nous voilà au septième et dernier objet statique. Je dis bien statique parce que les trois derniers seront des objets à conduire, donc des véhicules. Donc voilà, celui-ci se trouve au corps des nudistes, au corps des altruistes. Donc il se trouve exactement ici sur la map. L'objet se trouve vraiment dans le fond vers ici. Donc ici, prévoyez soit votre MK2 ou alors des armes, car ils ne vont pas vous laisser le récupérer facilement. Et il se trouve ici dans le fond. Voilà, c'est un masque. Et vous pouvez le récupérer et vous casser directement, car il n'aime pas trop la compagnie. On se retrouve pour les objets suivants. Donc, alors le premier véhicule, c'est le Rumpovan. Il peut être garé à trois différents endroits, comme les deux autres véhicules. Donc, il peut être garé, bien, il peut bien être garé ici. Donc voilà, dans cette ruelle-là. Mais comme on voit, en l'occurrence, il n'y est pas. Ensuite, il peut être garé ici, si je ne dis pas de bêtises. Oui, normalement, voilà, ici. Normalement, il peut être garé ici, donc juste en face de l'entrepôt textile de Lester. Et ben le voilà. Le voilà, le voilà. Donc vous aurez des gens tout près du van qui vous empêcheront de l'avoir, mais en fait, ils seront très faciles à éliminer. Ensuite, quand vous avez le van, vous l'emmenez tout simplement à l'endroit prévu, donc c'est-à-dire au bureau de Solomon. Le troisième spawn, bien sûr, je vais vous le donner. Donc il pourra aussi spawner sur cette route-là, donc en chemin, vous croiserez peut-être ici sur cette route-là. Donc je récapitule, les trois endroits, c'est ici sur cette route, ici tout près de l'usine textile de Lester, ou alors ici dans cette ruelle. Voilà les trois spawns pour le véhicule et le huitième objet du coup. Et le premier véhicule. Donc le véhicule suivant, c'est le Pony Van. Donc le Pony Van se trouverait à trois endroits différents aussi. Donc le premier endroit est ici au château Epsilon. Donc vous en faites le tour. S'il n'apparaît pas, bah, c'est qu'il ne s'y trouve pas. Voilà, faites le tour. Hop. Pour moi, il se garerait probablement dans l'allée. Le problème, c'est que j'ai bloqué quelqu'un, mais c'est sûrement, ouais, c'est sûrement un autre joueur, voilà. Donc, il ne s'y trouve probablement pas. On se rend au deuxième endroit possible. Donc voilà, le deuxième endroit, c'est sur cette route. Il serait en train de rouler vers le nord, donc du sens inverse duquel je suis en train de rouler. Donc voilà, je vous montre instantanément sur la map où il se trouverait. Voilà,
Donc vous roulez sur cette route, peut-être qu'il va apparaître en train de rouler vers le nord. On se retrouve pour le troisième endroit. Et donc le troisième endroit, c'est dans ce parking ici, au-dessus de cette montagne. Je vais vous montrer, voilà. Ici, exactement sur la map. Vous pourrez le trouver, mais en l'occurrence, il n'y est pas pour moi. Donc pour le troisième véhicule, et donc le dernier objet, vous aurez besoin de vous rendre tout au nord de la map. Sur cette autoroute, il serait en train de conduire vers l'est, donc dans la direction opposée que je fais face. Donc regardez, voilà, il serait en train de conduire de la gauche vers la droite. Il y a aussi trois spawns différents, donc ça c'est le premier spawn. Si vous ne le trouvez pas en train de conduire là, il se trouvera sur Paleto Bay. Donc en deuxième, vous avez le Willy Supermarket qui se trouve juste ici, et vous avez un parking. Normalement, il pourrait s'y trouver aussi. Donc voilà, dans ce parking ici. Et en dernier, et le dernier se trouverait derrière The Hen House, donc exactement ici. Et le Willy Supermarket se trouvait juste ici, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Donc voilà, normalement, il pourrait se trouver aussi ici, derrière, dans l'allée. Mais en l'occurrence, il ne s'y trouve pas. Donc bien sûr, vous pouvez aussi tomber sur des fois où, dans les trois spawns, il n'apparaîtra pas. Et donc dans ce cas-là, il vous faudra tourner entre les trois spawns jusqu'à ce qu'il apparaisse, tout simplement. Donc ici, je vois qu'il n'apparaît pas au Willy Supermarket. Donc je vais aller sur la Great Ocean Highway. Je vais voir s'il est en train de rouler là. Sinon, je retourne au Willy Market, puis je retourne au Hen House, et ainsi de suite jusqu'à ce que le van spawn. Et voilà, donc tous les accessoires ont été rapportés. Alors, on va voir le message que Solomon nous a envoyé. Tout a retrouvé sa place, bravo. Vous irez loin dans cette ville. J'ai laissé un gage de ma gratitude dans mon bureau. Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que c'est que l'argent ne peut pas acheter? Ouvrez le carton pour récupérer votre récompense. Donc voilà, on voit que tous les objets qu'on a ramenés ont récupéré leur place. Alors, qu'est-ce donc que ça? On a un alien! Plus 50 000. Donc en tout, on gagne 150 000 dollars et cette tenue rare d'alien qui pourrait peut-être servir pour le secret de GTA 5 et de GTA Online, car comme vous savez, il y a un mystère qui plane sur GTA Online depuis longtemps, enfin sur GTA 5 depuis longtemps, avec le schéma sur le mont Chiliad. Et depuis peu, il a été transféré au mode online avec la mission secrète de l'œuf de l'alien, le shot de whisky Macbeth qui nous TP en haut du mont Chiliad avec une soucoupe volante. Donc peut-être que cette tenue d'alien a quelque chose à voir avec le mystère. Bon, du coup, c'était Zenicoco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine.